quelques graphes de fonctions affines. Prenons la fonction f de x égale 2x moins 3. Ce que je conseille toujours, c'est de trouver deux images de deux nombres simples, f de 0 et f de 1. Comme ça, on va trouver deux points par lesquels la droite représentative va passer. F de 0, ça nous fait combien? 2 fois 0, moins 3. Ça nous fait moins 3. Donc, l'image de 0, c'est moins 3. J'ai déjà un point. F de 1, 2 fois 1, moins 3. Ça fait moins 1. Donc, le point de coordonnées 1 est moins 1. 1 et moins 1. Et nous voilà, on peut tracer tranquillement la droite représentative qui passe par là, de la fonction f. Allez, on la trace. Une autre fonction, g de x égale combien? Moins 5x plus 1. De nouveau, même chose que je vous conseille, on calcule deux images, g de 0 et g de 1. Qu'est-ce qui est plus simple que 0 et 1? Alors, combien ça fait g de 0? Vous avez calculé? C'est bien, ça fait 1. Donc le point de coordonnées 0, 1, il est là, fait partie de la représentation graphique de cette fonction, autrement dit de la droite en question. G de 1, moins 5 fois 1 plus 4, combien ça fait? D'accord, moins 4. Donc le point d'abscisse 1 est d'ordonnée moins 4. Il est là, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Et voilà, la droite représentative de la fonction g passe par ces deux points. Et on peut la tracer. Et puis, allez, la fonction h de x égale 4 tiers de x moins 1. Alors, h de 0, toujours, ça nous donne moins 1. Le point de coordonnées 0 est moins 1. Et pour l'autre, moi je préférerais pas 1, parce que ça ne donne pas gentil. Je prends h de 3. Vous voyez, h de 3, pourquoi j'ai pris h de 3? Parce que 4 tiers fois 3, 4 tiers fois 3, allez, combien ça fait? Ça fait 12 tiers, ça fait 4. Moins 1 égale 3. L'image de 3, c'est 3. L'image de 3, c'est 3. 1, 2, 3. Donc, on a ce point et 0 moins 1. Voilà. Et on trace gentiment la droite représentative de la fonction h. Je répète, l'astuce pour tracer cette représentation graphique, tout simplement, vous choisissez les images de deux nombres simples. Du coup, on a les coordonnées de deux points. Et comme on sait que la représentation graphique de fonction affine est une droite, eh bien, cette droite est déterminée par les deux points en question.